vois tout ce monde-là. Oui. Ils sont tous venus pour mon anniversaire. Mm-hmm. Donc je leur ai dit, restez dehors. Là, c'est la frontière. Celui qui n'est pas venu avec un cadeau, il n'entre pas ici. Ah, non. Mais la présence suffit. Non. Bon, attends. C'est ça, là, en fait. Puis l'Afrique ne évolue pas, là. Bon, j'arrive, je vais les gens, je viens tout de suite. Je viens. Comment ça? Non, moi, je ne suis pas dans ça. Tu ne viens pas avec un cadeau, tu restes là-bas. Là, c'est la frontière. Ici, c'est l'espace Schengen. Donc, si tu n'as pas visa, tu ne rentres pas ici. Tu n'as pas visa, tu restes chez toi là-bas. Donc, vous restez là-bas jusqu'à ce que chacun me présente son cadeau. Si tu n'as pas de cadeau, c'est moi qui regarde le cadeau qui me va. Si ton cadeau n'est pas bon, tu retournes chez toi. Si ton cadeau est bon, je l'accepte, tu rentres. C'est comme ça que je suis. Donc, ne soyez pas surpris. Vous allez passer un à un. Chacun vient avec son cadeau. Mais Boukari, il est où? Là, tu vas où? Go. Tu portes veste, tu vas où? Dibou, pardon. Quelle affaire de pardon? On dirait la fête chez toi. Fête? Tu fais fête? Non, moi, je ne connais pas fête. Hein. Mais c'est quoi ce bruit là? Il y a du bruit là? Oui, bruit là, c'est le voisin. Le voisin, c'est lui qui met toujours sa radio en marche. C'est ça, c'est pourquoi tu entends la musique. Lui-même, il nous dérange tellement, on s'est plein fatigué. On allait même à la police. Mais on lui a parlé, il ne veut pas changer. Tu sais, quand quelqu'un est têtu, il est têtu. Hein. D'accord. C'est ça, sinon moi, je ne connais pas fête. Donne. Dubé, il faut partir, je vais venir te donner ton argent. Go, il faut donner, je vais partir. Dubé, je vais t'envoyer ton argent. Ça fait 6 mois que tu me dois. Ça, là, j'ai entendu ça, je suis fatigué. Va, je vais envoyer. Mais aujourd'hui seulement, c'est le dernier jour. Je sais de quoi je parle. Go. Hein? Go. Oui. Dans mon village, il y a un proverbe qui dit oui. Quand un enfant pleure la nuit, c'est qu'il a envie d'aller à l'école. Ah. Go, il faut donner mon argent, je vais quitter ici. Dis-moi, pardon. Là où je suis, là, je n'ai pas. Mais c'est sûr que je vais avoir dans peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais. Laisse. Tà, tu changes de stratégie maintenant. Chaque fois que je viens ici, toi, tu vas trouver une nouvelle stratégie. La semaine passée, je suis passé, tu m'as dit quoi? Ta grand-mère qui est décédée il y a 15 ans, là, elle s'est réveillée, elle est partie au village, qu'il y a réunion actuellement. Elle dit, moi, tu me prends pour qui même? Non, dis-moi, je ne te prends pas pour bête. Je vais venir te remettre ton argent. Fais-moi confiance. Go, il faut donner mon argent. Je vais envoyer ton argent le soir, là même, je vais t'envoyer ton argent. Je vais m'exposer pour rien. Pardon, Dibou. Le soir, je vais t'envoyer ton argent. Ce soir là même. Si je dépasse ce soir là, Dibou, fais tout ce que tu veux. Quand tu n'as pas l'argent, tu prends les sommes qui te dépassent. Prends au moins les sommes de ta taille, c'est ce qui te dépasse là, tu prends. Non, il faut donner mon argent. Dibou, pardon, rentre à la maison. Je vais venir te remettre ton argent. S'il te plaît. Tu vas venir à quelle heure? Jusqu'à 20h. 20h. Go. 20h. Oui, mais même 21h. 21h, ça s'appelle 21h ou bien 22h. Je dois me voir, Go, 20h. Ouais, 20h, 22h. Bon, au plus grand temps, à minuit, tu dois me voir chez toi là-bas. C'est vrai, je te mens pas. Go, 20h. Ouais, 20h, minuit. Moi, je comprends pas. Tu fais anniversaire? Il y a des gens, quand ils passent... Bon, ça, le vieux. Il y a quoi? Non, le vieux, il n'y a rien, en fait. Je venais juste à peine de me laver, et puis on m'a dit qu'il y avait anniversaire ici. Tu cherches quoi? Non, le vieux, il n'y a rien. Au fait, on est dans le quartier là, donc on m'a dit qu'il y a ton anniversaire, c'est pour ça que je suis venu. Toi comme ça là. Ah. Tu as quel cadeau?
Ah, le vieux, moi, pas cadeau. Hein, non, 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 non. Tu ne peux pas aller à un anniversaire et puis tu n'as pas cadeau. Donc, tu es rentré ici comment et puis tu n'as pas cadeau. Tu as quel cadeau? Non, le vieux, au fait, il y a vu un monsieur sortir à gros ventre et puis la porte était ouverte. Donc non, vous laissez monsieur qui a gros ventre. J'ai dit toi. Toi qui n'as pas gros ventre, tu as amené quel cadeau? Non, le vieux, moi, en fait, il n'y a pas cadeau. Mais j'ai quelque chose de mieux pour toi. C'est quoi? C'est Dieu qui bénit. Le vieux, bras ballants, bras reballants, il est tué. Ils ont eux-mêmes. Agouti, Mangous, venez. Voilà, voilà. Voilà. C'est la stade d'Abidjan contre le réveil club de Daloa. C'est quoi? Le cadeau, il est où? Le vieux. Regarde. Salsa! D'accord. Tu as dansé. Hein? Tu as chanté. Maintenant, où est mon cadeau, là? Pise, pardon, il faut accepter, sinon il ne va pas me laisser rentrer. Bien. Le vieux, voilà ton cadeau. C'est mon cadeau, Angela. Hein? J'accepte le cadeau. J'accepte le cadeau. Ah non, Benny. Faut rentrer. Non, le vieux, tu as béni. Non, faut rentrer. Tu as béni, le vieux. Il faut rentrer. Hé, hey, vous là. Allez. Hé, hey, quittez-la. Hé, hey, hey. Allez, sortez, hé. Hey. Mais, petit cadeau là, ça a qu'à rester ici. Petit, cadeau. Hé, hey, regarde. Je te dis, hein. Un cadeau n'a pas le choix. C'est quel cadeau qui s'oriente là où il veut? Moi, je ne comprends pas. Moi-même, je refuse le cadeau. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi c'est respecté? Arrête, Guéry, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Hein? C'est à toi. C'est toi mon problème. Hé, hé, hé. Viens ici. J'ai dit, hein? C'est toi mon problème. C'est quel problème? Parce que chaque fois que j'ai dit, hein? Chaque fois que je te prends pour aller quelque part, tu me mets la honte. Tu fous le bordel. Hé, mana. Devant les gens, c'est moi, tu insultes. Moi, je suis bordel. Hein? Tu connais même pas la personne. On vient dans une fenêtre, tu me traites de bordel. Toi-même, gâteras tout du bordel. Je te dis ça, carrément. Toi, m'insulter. Ma copine, tu me fais marrer. Ah, marrant. Tu ne sais même pas de quoi parle le texte. Hein? Tu vois, non? Là où on va, là. Oui. Pourtant, on peut sortir là-bas. Parce que dans la vie, là, non? Une femme, c'est le charme. Une femme, ça va séduire. D'abord, ce sont les yeux. Quand tu vois un mec qui te plaît bien, excusez-moi. Alors quand tu le croises comme ça, tu dis coco. Ensuite, le sourire. Quoi. Enfin, la démarche. Tout le monde comme ça.
Félicia. Dis-moi, comment tu peux séduire un mec? Oh, moi, que c'est une bonne chose qu'on séduit. Ça, c'est ma matière de base, séduire un homme. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Hey. Donc, on ne peut pas être dans la rue, quoi. Non. Ici, c'est la rue. Clémentine. Oui. Laisse-moi, je m'en charge. Mais ce ne sont pas tes copines? Quelles copines? Ça, c'est pas des filles. Quoi? Attends, j'ai dit, oui. Vous cherchez quoi? Oh! Hey. Comment ce ne sont pas des filles? Ce sont des filles! Madame, copine, attends. Hein. Oui. Vous cherchez quoi? Une activité lucrative. Hey, comme quoi? On va parler bon français. Comme quoi? On cherche travail. C'est quel travail? Vous faites quel travail? Hey, nous là, on sait tout faire. Tu nous vois comme ça, on sait tout faire. Ou bien? Oui. Hey. On sait nettoyer la maison. Hey. On sait faire la cuisine. Hey. Non, reste là-bas, reste là-bas. Hey. Et puis? Hey. On sait s'occuper des enfants. Bon. Ça c'est ce qu'elle sait faire. Et puis, vous mais savez... voilà, ma spécialité, c'est les caleçons. Attends, caleçons de qui? Eh, je peux laver les caleçons des enfants. Non. Je peux laver pour madame. Non. Et puis, si nous... Oh, monsieur, non. Je vais te gifler. J'ai dit. Je vais te gifler. Tu dis quoi? Ce ne sont pas des filles. Ça, c'est pas des... Regarde leur mollet. Regarde leur mollet. Si. Attends, passe ici. Toi, va là-bas. Mmh. Toi, va au bout là-bas. Toi, viens ici. Tout regarde leur mollet là. J'ai dit, tourne-toi. Elle m'a têtu comme ça, c'est femme à ça. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne. J'ai tourné. C'est dur, hein. Ah! Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi reprendre. Mais explique-moi pourquoi c'est dur comme ça. Football. Hein? Nous sommes des footballeuses. Ouais. Et puis ce que tu vois là, tu vas être la néglige, ça, elle est au milieu de terrain. Maintenant, toi-même là. Hein? Mais. Poitrine, il n'y a pas pu cela. Tu es musclé. Quelqu'un qui fait musculature, tu vas rentrer, c'est normal. Mais Gohou, ce sont des femmes parce qu'aux États-Unis, dans les autres pays, il y a des femmes qui font haltérophilie, peut-être c'est ça. Ce n'est pas des femmes. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça, c'est qu'elle ne connaît pas, il y a un mollet là. Elle a une défense. Il y a un mollet de femmes qu'elle a. Hein. Mais ça, là, on appelle ça ballon passe, mais femme passe pas. Bon, c'est bon, allons-y. On s'en va, on s'en va. Okay. Non. Allons-y. Non. Venez en partie. Les filles, là, non. Ce sont des filles. Allons-y. Ah, ah, quoi, il y a quoi? Il y a quoi, là? Pardon. Ça, c'est pas malheur, ça. Ça, là, c'est pas malheur. Et c'est Clémentine qui l'a... Voilà. C'est un mois, tu t'amuses. Dis-moi, je t'ai dit... Non, c'est un mois, tu t'amuses. Je t'ai dit minuit 20, il n'y avait pas... Tu me connais ou bien tu me connais pas? Dis-moi, je te connais. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit minuit 20, pourquoi quand vous tuez en sorcellerie, vous voulez mettre ça sur moi? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? La fête, là, qui fête? J'ai dit, il n'y a pas fête ici. Moi, depuis. Bon, le bruit là, c'est quoi? Bruit là, c'est le voisin. Je te dis, c'est le voisin. Il faut me prendre au sérieux. Si. Parce que où je suis là, je suis très énervé. Voilà. Donc, gâteau que Boukari s'en a cherché là, c'est gâteau de qui? Qui? Qui allait chercher gâteau? Boukari. Gâteau, il est allé chercher là, c'est gâteau de qui? Non, moi, c'est qui Boukari? Ah, tu connais pas Boukari? Moi, je connais pas Boukari. Hein? Ok, donc, si je vois gâteau là, je vais bloquer. Non, tu peux viens. Pardon. C'est moi qui l'ai envoyé. Allez, moi, je ne sais pas quoi. Vous, les Africains, il y a un seul mot dans le dictionnaire que vous utilisez plus dans l'année, c'est pardon. Bon, Dibé, pour te dire la vérité, je fête mon anniversaire. Le bruit que tu entends là, c'est dans ma maison. Mon ouais, c'est ce que je vais t'expliquer. Dibé, si tu fêtes l'anniversaire, c'est que tu as l'argent. Non, donne mon argent. Pas forcément. Je vais partir. Le parrain, il est là. Eh? Tu vois? Il y a anniversaire, quand il y a parrain. Oui, le parrain ah, là. Ah, ok. Déjà, tout à l'heure, quand il va donner. Parrain même là, si je fouille bien dans mon cahier, même peut-être il me doit. Ah. Regarde, tout ce monde que tu vois là, tous ceux-là sont venus à mon anniversaire. S'il te plaît. Quand je vais les encaisser, tout cela, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il ne paye pas. Go. Donc quand ils vont payer là, je vais prendre et puis je vais venir te donner ton argent. Go. Hein? J'ai beaucoup de respect pour toi. C'est vrai que tu me dois. C'est réciproque. Voilà, je suis très énervé. Oui. Mais ton âge fait que j'ai encore une petite réserve de respect. Il faut maintenir ça. Bon, maintenant, voilà. Donc, pour préserver ça, oui. S'il te plaît, donne mon argent, je vais partir tranquillement. Oui, ce qui est mauvais dedans. Dis-moi, je vais venir te remettre ton argent. Regarde, mais les invités, ceux-là, ils vont rentrer tout de suite.
mais je vais les encaisser. Mais et puis ici, là, on a jeté, on connaît. Oui, mais ils vont donner. Ceux-là, ils ne se promènent jamais hein, l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont métis blanquet, tu vois, parce qu'ils ont l'argent. Ceux-là, ils n'ont pas l'argent. Il n'y a pas un qui va rentrer à la maison sans donner l'argent ici. C'est moi qui te parle. À 20h. 20h minuit. Vous voyez? Vous n'avez pas peur? Hein? Nous sommes des djihadistes, vous n'avez pas peur, vous de là? Peur qui, moi? Hey, j'ai fait la guerre d'Algérie, hein? Ah, oui. Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie. Tu connais le grand résistant algérien, Abdelkader, l'émir, hein, que tous les Français craignent. Moi, je n'ai pas peur de lui. Alors, ce n'est pas ta petite barbe et ton turban là, qui vont me frayer. Alors, c'est quoi ça? Vous n'avez pas peur de ma non, barbe? Non, je n'ai pas peur de ça. Et ça, ça me fait peur. Allez, tu vas là-bas! Dans le respect des tirailleurs. Allons, Wakba. Bien. Il est où le président? Il est où le président? Sinon, je fais tout sauter. Mais je ne vois personne. Il est là-haut, il est là. C'est lui là le président. Président, non. Président, arrête tes amusements. Go, c'est pas toi le président. Non, c'est toi le président. C'est toi le président, c'est lui le président. Dis-moi. Qui dit mon nom pourquoi? Dis-moi. Qui dit mon nom? C'est lui le président. Charlotte qui est là, tu peux pas dire son nom? Ah, lève mon nom de ta bouche, c'est quoi ça? Tu peux pas dire le nom de Charlotte? Et si j'ai dit ton nom, ça. Tu dis mon nom pourquoi? Si j'ai dit ton nom, tu peux. T'as commencé tes trucs encore, non? Quand t'as commencé? T'as commencé, non? J'ai dit ton nom, Pierre, tu peux me faire quoi? Président, tu vois ce que vous faites? Regarde-moi ça. Quand tu peux rien me faire. C'est lui le président. Je suis pas ton camarade. Est-ce que tu me connais? Je suis pas ton camarade. Quand tu me connais? Attends, tu veux prendre position devant moi? Quand tu peux prendre position? Tu veux prendre position devant moi? Sortir de là? Où tu me connais pas? Va sortir. Tu me connais pas. Ça va pas sur toi. Oh. Hey. Ça c'est le piton. Ça c'est le piton. Hey. Oh. Hey gars. Tu me connais pas. Hey. Oh. Non petit reste là. Tiens. Quitte là. Tu me connais pas. Hey gars. Oh. Ça c'est le piton. Hey. T'as oublié. La mère religieuse. T'as oublié. Oh. Attention. T'as oublié. Attention. T'as oublié? Hey, gars. Oh, y'a quoi? Oh, t'as oublié? Hein? Tu sais rien, petit, viens. Tu sais, lui-là, il est mauvais. Lui-là, il est mauvais. Comment ça? Lui-là, il est mauvais. Et c'est lui toujours qui vient accuser les gens ici. Lui-là, tu sais pas ce qu'il a fait. Lui-là, tu sais pas ce qu'il a fait. Moi, là, ils ont donné de l'argent. De l'argent. Pour pouvoir construire l'hôpital chez moi là-bas. Cet argent devait passer par moi. Et lui, il a bloqué. Il a bloqué, il a partagé avec le président. C'est vrai. Il est mauvais, ce gars-là. Mais Go, tu es un menteur. Moi, je suis menteur comment? Je t'ai frappé. Au nom de Dieu, je t'ai frappé. Tu peux rien me faire. Go, je t'ai frappé. Tu peux rien me faire. Go. Hé, gars. Oh, Go. Non. Tu sais, lui-là. Au nom de Dieu, il y avait une épidémie dans mon village. Deux camions de médicaments. Et comme les deux camions devaient passer dans son village avant d'arriver dans mon village. Les deux camions sont arrivés chez moi, je les réceptionne, tous les fourreaux de médicaments sont vides. C'est faux. C'est dans son village, il a vidé non, ça. Non, c'est pas vrai. Là, les médicaments là, ils ont déversé ça dans le village du président. Tu dis quoi même? Là, le président, c'est lui là, c'est un voleur. Tu dis quoi même? Toi-même, tu dis quoi? Toi-même, tu dis quoi? Lui là, c'est un voleur. Allah ou quoi? Mais fallait dire ça. Bien. Là, vous êtes fou. Hein? Si je ne vois pas le président, je compte jusqu'à trois, je fais tout sauter. Mais président, faut parler. Pardon, président, faut parler. Président, pardon, faut parler. Président, vas-y. Comment tu fais des trucs comme ça là? Moi, j'ai mes deux femmes et mes 18 enfants. Je ne veux pas mourir. Pardon, faut parler. Go, c'est toi le président. Non, président, je n'ai jamais été président. Comme ça, là. Tout le monde va mourir ici à cause de toi. Pardon, faut parler. Qui est le président ici? C'est lui, là. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Attends, tu ne sais pas qu'une femme qui se voile pas, c'est haram. On lui a dit ça. On lui a dit ça ici. Ça, on lui dit ça tous les jours. Tous les jours, on lui dit ça. Mais elle comprend pas. Allez, voile-toi. On lui comprend pas. Ça dit, tu es tellement têtu, tu vas nous créer des problèmes. Voile-toi bien. Ça fout là. Voilà. On ne doit pas voir tes yeux. Oh, ça va, hein? Ah, d'accord. C'est pas moi. Oui, oui, oui. Qui est le président? Oui, c'est lui là. C'est toi le président? Oh, méfie-toi. C'est toi le président? Depuis quand? Mais depuis toujours. Yéli, le monsieur te parle, faut l'écouter. Oh, président, vous, c'est qui le président? C'est lui, oh, c'est lui. Ah. Bon, Pourquoi tu es même têtu comme ça là? On ne sait pas. Bon, pourquoi tu es têtu? Oh. Bon, depuis tout à l'heure, c'est moi. Descends. Pour aller où? Descends. On dit descends. Descends. Oh, oh, descends. Descends, président, descends. Tu vas où? Oh, passe là-bas. Go, c'est ton ami ou passe quoi? Passe de l'autre côté là-bas. Mais c'est un embouteillage ici. Débrouille-toi. Hein? Il y a la route. Hey, écoute. Bon, allez, toi, monte. Non, 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 non. Hé, monte là-bas. Moi? Oui, toi. Ah bon? Tu vas où? Tu vas où? Non, mais... Oh! Excellence, excellence, honorable, atoui djihadiste. Oui. C'est-à-dire, en temps normal, quand il y a vacances de pouvoir, je suis le premier vice-président. Donc, c'est moi qui dois monter à la place du président. Go, 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 go. Tu veux mourir? Tu veux profiter? Hein? Tu veux mourir? Non, est-ce que j'ai parlé? De toute façon. Bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voici nos revendications, il faut lire ça. Les revendications? Oui. Ben, normalement, ici, là, c'est le moins gradé qui lit. Et c'est qui le moins gradé, là? Ah, c'est lui. Le vice-président numéro 3. C'est toi. Donne-lui ça. Vice-président numéro 3, tiens. Ah, prends ça. Il faut lire le truc qu'on va quitter ici. Pas lire là-bas. C'est quoi? Donc, vous, là, c'est coup d'État, vous faites. Attends, là. Ton président, t'es pas, tu veux discuter? Tu veux mourir, là. Va mourir. C'est toi, mon président? Monsieur. C'est toi mon président? Monsieur, il me reconnaît pas. Le président depuis quand? Tu m'as fait tuer tout le monde ici. Monsieur, il me reconnaît pas. Oui, oh, oh. Allez, lui là, c'est le nouveau président. Allez, prends la feuille. Il n'a qu'à dire. Prends ça! Il n'a qu'à reconnaître d'abord. Il n'a qu'à reconnaître d'abord, sinon après il va me créer des problèmes. Bon, reconnais. Reconnais! Reconnais! Ah, toi aussi parle, non? Bon, je reconnais qu'il y a un coup d'État halal. Allez! Allez, passe là-bas. Je vais lire ça. De toute façon, nous on n'a pas peur de mourir. Notre place est déjà réservée au paradis. Allahu Akbar, mon frère. Est-ce que tu as peur de mourir? Tu as peur de mourir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. Allez, passe là-bas. Je fais quoi? Regarde la caméra là-bas. Passe-toi. Voilà. Avance un peu. Ça va, ça va. Bien. Il faut t'adresser à la communauté internationale. Et puis à ce président mécréant là, le président fondateur là. Moi j'ai dit ça, pingouin. Le président il est mécréant. Voilà. Je ne croyais pas. Go, tais-toi. Lis. Nous exigeons la libération du combattant suprême Oussama Ben Laden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je peux faire une petite remarque sur ce oui. point précis. Oui. Oussama Ben Laden, il est mort. Ah, souffle-là. Tu vas mourir. Non. Tu vas mourir aussi, toi, si tu vas mourir. Depuis qu'il est mort. En fait, il est vraiment mort. Tout le monde a vu ça ici. Oh, on l'a vu. Tu vas mourir. Non. Alors, continue. Continue. Là ou quoi? Nous exigeons la libération du combattant Saddam Hussein. Allahu Akbar. Oui. Saddam Hussein, il est mort lui aussi. Ah, ce fou-là ! En fait... Vous voulez tous mourir ? Non. Allahu Akbar. Vous voulez mourir ? Tu vas mourir aussi ? Yadis, il est mort. Il est effectivement mort. Depuis quand ? Depuis quand ? Non. Continue. Continue. Nous exigeons la libération de notre guide éclairé,
le combattant Muammar Kadhafi. Allahoukba. Non, non, il est vivant. Allahoukba. Là, là, il est vivant. Allahoukba. Même la semaine passée, là, il était en visite officielle. Allahoukba. C'est fini, je peux m'asseoir. Bon, allez, va t'asseoir. Merci. Allez. Remets-lui ça. Ouais. Ben, le nouveau président. Qu'est-ce qui se passe ici? Allahoukba. 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 Regarde-moi ça. Peut-être qu'on ne t'a rien demandé. Regarde-moi ça. Allahoukba, Allahoukba. Vous vous croyez dans une mosquée ici? Hein? Regarde-moi ça. Et puis, vous les tirailleurs. Hein? J'ai tout entendu. Tranquillisez-vous. Ah, ah. Hein? Le président du Parlement, là, c'est mon fils. Il s'appelle Papou. C'est ma maman. Vous pouvez donc rentrer chez vous. Hein? Toutes vos revendications seront prises en compte et très vite. Madame, on vous remercie. Hein? Vous, au moins, vous comprenez nos problèmes. C'est vous êtes gentil. On va aller. Hein? Tirailleurs en position. Oh, on l'a sauvé. Oui. On l'a sauvé. On l'a sauvé. Hein? Michel Napoléon, je rentre capable par les jours, par les jours. Si vous voulez, avec ma boîte à l'air. Je vais vous montrer ma porte à terre. Oh ya, 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 oh ya. Hé, vous les voyous là, vous faites quoi ici? Maman, hein? Maman, il y a ici. Enlevez-moi ça, allez. Enlevez-moi tout ça là. Regarde-moi ça. Bandit là. Mais hé. Vous faites quoi là-bas? Ils sont là. Hein? Vous faites quoi là-bas? Allez sortez, allez travailler. Conseiller, hein? Tu vas où? Président, on s'appelle. Attends. Toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu as la place de mon fils. Ah, on a. Il était assis, c'est plus le monsieur là. Il est venu, il dit non. Lève-toi. Descends là-bas. C'est pas toi qui lui disais de monter. Moi, j'ai parlé ici là. C'est pas toi qui lui disais de monter. Silence. Descends. Assieds-toi là-bas. C'est tout à l'heure que toi-même tu as vu. Tais-toi. C'est ma maman, c'est pas ta maman. Rentre là. Allez, assieds-toi. Assieds-toi là-bas. Merci, maman. C'est quoi ça? Merci, maman. Et puis toi, tu n'as pas honte? Moi, c'est la salue, ma place. Tu n'as pas honte? La salue, ma place. Ta mère est malade, elle est couchée à l'hôpital là-bas. Au lieu d'aller t'occuper d'elle, tu viens te faire passer pour quelqu'un d'autre. Hein? Maman. Regarde-moi ça. Bandit là. Maman, tu le connais? Tu ne connais pas ce voyou là. Tu ne le reconnais pas? Non. C'est le fils du boutiquier au quartier là. C'est le fils de Mourad. C'est lui-même. Assad. Oui. Hé, hey, Assad, c'est toi qui me fais ça. Regarde-moi ça. Assad. Hé. Hey. Je vais régler. Je sais comment régler votre contrat. Allez, sœur. Allez. Mais il ne peut pas partir comme ça. Hein? Ah non, moi, je ne peux pas accepter qu'il parte comme ça. Hein? Il faut qu'il nous dise qui les a envoyés. C'est très important. Il ne peut pas venir comme ça, menacer les maris, les gens, et puis partir. Tu peux menacer les autres, hein? Mais si tu penses que tu vas menacer mon mari et puis je vais te laisser là, c'est que vous vous foutez le doigt à l'œil. Hé, ma petite, ma fille. Non. Mais qui est ton mari ici? Hein? Parce que façon tu m'as suivi là. Si tu penses que tu vas prendre mon papou facilement comme ça là, tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Hein? Ah, papou qui est assis en haut là-bas là. Non, il est trop gringalé pour moi. Pour moi là, c'est celui qui a la tête. Je vais te dire ça après. En tout cas, c'est mieux pour toi. Hé, hey, petit voyou là, reste là. Qui t'a envoyé ici? Réponds! Maman, c'est qui? Entre vous là, c'est qui? Le vieux père. Là. Quel vieux père? Hey! Go! C'est toi? Ma honte, dis-moi. Hé, hey, tu connais pas la honte? Hein? Regardez-moi ça.
tu es le plus vieux de ce parlement. Oui. Le petit là, tes blancs, pour venir te faire asseoir ici pour que tu manges un peu là. Ce que tu as trouvé à faire, c'est coup d'état. C'est qui l'a fait ça? Moi. Donc, go, moi, je te connais. Je suis pas. Je sais pas. Même la vérité, pas la même. C'est lui. C'est toi. C'est toi. Attends, vous pouvez mettre le problème à chez moi. Judas. Tu veux prendre ma place? Non. Mais pourquoi tu es né avant la honte? Pourquoi tu ne prends sa place? Oui. Je vais prendre la place d'un petit. C'est pas moi. C'est toi. C'est toi. Ce qui s'est passé avant là. Je te connais. Avant là, je reconnais que c'est moi. Voilà. Mais ah bon, ça, quoi qu'est-ce que c'est quoi avant là? Bon, laisse. Non, tu as dit ça ici. La caisse qui a disparu là, c'est toi? Oui. Ça, c'est moi. Ouais. Mais aujourd'hui là, je jure au nom de Dieu, c'est pas moi. C'est qui? Je ne sais pas. Non, c'est pas lui là. C'est le vieux père qui est assis un peu là-bas. Oui. Non, ça c'est vrai. Dis que tu es mauvais. Je savais que c'était pas toi, chérie. Je savais lui, là, que c'était pas toi. Tu es mauvais. Dis que. Tu racontes quoi? Oui, tu as fait coup d'état, tu dis que tu racontes quoi? Moi, tu me connais où? Non, c'est coup d'état que tu as fait là. Attends, tu sais à qui tu parles là? Le vieux père, c'est toi. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je te pose une question. Tu n'es pas allé à l'école? Ne te laisse pas faire. Mais le vieux père, tu es député, non? C'est pas toi, tu es venu nous voir au quartier, tu as versé, j'ai ton sous-nous, tu dis. C'est lui. On n'a qu'à faire coup de temps, te mettre là-bas, comme ça, tu as donné ta vieille Mercedes. Ouais, tu as l'ego. Et puis toi, tu es venu prendre sa place, c'est ce que tu as dit. Assassin. Attends, je ne sais pas là. Tu vas pas croire à ça. Tiens, assassin. Non, je ne sais pas, j'ai une photo ici, même si tu veux te montrer. Sors la photo. Ça, au moins, c'est les preuves. Sors la photo. Assassin. Tu es. Sors la photo avant que je t'appelle mon avocat. Judas. Ah, tu es avocat. C'est l'avocat du Parlement qui va te défendre. Il n'a qu'à sortir la photo. Ça, là, c'est pas lui. C'est lui. Non, c'est pas mon profil. Mais c'est lui. Non. C'est toi. Petit, faut te méfier. Non. Tu sais pas de quelle classe sociale je suis, moi. Non. Tu te tais quand je parle. Faut te méfier. Ne te laisse pas faire. Ça veut dire quoi, ça? Le contrat de Didier Drogba est fini à Montréal. C'est pas un souci pour toi? C'est pas un problème pour toi? Hein? Il y a le réchauffement climatique. C'est pas un souci. Il fait moins 5 degrés à Paris. Tu ne frissonnes pas? C'est moi que tu accuses? Toi, tu n'as pas parlé de climat. C'est moi que tu accuses? Il y a la guerre en Syrie. Depuis combien d'années? Tais-toi! Regarde-moi ça. Voilà. Pourquoi on se respecte? Comme je respecte la maman. Assieds-toi. Attends, tout ce que tu dis là. Qu'est-ce que ça a à voir du fait que tu vas enlever mon enfant? On ne sait pas, maman. On ne sait pas. Maman, tu prends sa place. Tu l'as trouvé assis ici, non? Regarde-moi ça. Toi, tu vas prendre la place de mon fils? Putiste. Un prêtre putschiste. Putschiste. Assassin. Il commence maintenant à appeler tous ses frères, même ceux qui ne connaissent pas. Oh, caca! Oh, Kwanko! Chinabi! Where is it? Hey, Jesus Lord! Ok, fort! Et 30 ans, maintenant tu vois son oncle là, qu'ils ont tué en sorcellerie là. Lui, l'appareil, il sort de nulle part. Tu vois l'enfant, il est là comme ça. Ok! Mamie! Daddy! Oncle! Et l'autre, il est là comme ça, il est content. Oh. Ils ont des scénarios improbables, bizarres. You must die. Non, mais, ça dit, tu regardes un film comme ça, mais tu te dis, mais attends, qui s'est levé pour aller écrire un scénario comme ça? Et puis le même gars, il est réalisateur, il est producteur, il est scénariste, il est auteur, il est compositeur. Il fait café. Et puis c'est lui-même, il fait gari et sauce-feuille. Le jour, il y a grève là. Il n'y a pas de tournage. Mais ça, c'est bon. Mais ma mère, elle ne s'arrête pas qu'à ça. Son affaire des films de Bollywood. Saloni. Affaire de Saloni de ma maman, quoi. Voici un film qui a fait au moins 5 ans à la télévision. Jusqu'à les gens se sont levés, ils ont fait grève pour qu'on arrête Saloni. Et Saloni, quand ça doit commencer, avant de commencer, on met toujours la pub.
Non, ça c'est bon, attends. Ça c'est petit même. Parce que regarde, quand tu regardes le film de Nollywood là, il y a le suspense. D'ailleurs même, j'ai besoin de deux personnes. Je vais vous reproduire le suspense de Nollywood. J'ai besoin d'une... Attends. Non, attends. Ton maudit. C'est mon spectacle, c'est pas pour toi. Attends, j'ai besoin de deux personnes. J'ai besoin de quelqu'un. Celui qui était l'ennemi de Naa. Moi, je suis Naa. Et là, je cherche un Krishnan. Attends. Attendez, je vais descendre. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Je suis maintenant une star, s'il vous plaît. Non, Boris, il est trop court. Attends. Mon frère, pardon, lève-toi un peu, je vais voir. Lève-toi. Tché, il n'y a même mieux. Hein, pardon. Oh Seigneur, je l'ai trouvé. Derrière Jessica Bamba, je l'ai trouvé. Mon frère, bonsoir, ça va? Pardon, vieux père, bonsoir. À cause de Dieu. Quand il te regarde là, j'ai l'impression que c'est toi-même qui es Krishnan. Pardon, lève-toi, ils vont te voir. Mon frère, pardon, à cause de Dieu. Krishnan, 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 Krishnan. Tiens! Yeah! Krishnan, viens, pardon, à cause de Dieu, viens. Sabarissa, viens, viens, viens. Krishnan. Il faut regarder, c'est pas Krishnan qui est là. C'est pas un hindou? C'est lui? Krishnan, pardon, hein, monte et puis tu m'attends là-bas. Faut pas fuir, hein. Non, hé! Hey! Bon, bon, faut partir pas. Chi. Lui-même, il marche, il va devenir bancal, la semelle de chaussures est finie. Attends. Maintenant, il cherche. Il cherche la femme maintenant, Saloni. Je cherche une femme au thème bio. Pas une femme qui fait ça. Non, toi, non, tu n'es pas Saloni. La veille même pour être Saloni, mais son mari, il est en train de me regarder mal dans le cache-nez. Ma chérie, ça va? Toi, il travaille dans quel groupe de CIE? Fais comme ça, là. Tu as tué. Saloni, 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 Saloni. Non, maman, toi, tu pourrais faire Saloni, mais t'as porté Boubou. C'est la seule, j'avoue qu'elle est... Non, 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 ça, c'est pas Saloni. Elle ne mange pas beaucoup. Voici Saloni qui est là. Saloni! Les gars, pardonnez, viens, c'est ta femme? Non, mais tu as très pointé sur elle. Ouais. Regarde. Pardon, maman, faut venir, pardon. Viens à moi, Saloni. Oh, eh. L'heure a sonné pour te dire que je t'aime. Saloni, viens. Oh. Viens sans. Oh. Mesdames et messieurs, applaudissez pour Saloni. Hein? La Misso, voici la plus belle fille des oiseaux. Saloni, va à droite. Hein? Tu es passé là-bas. Hein? Mais, Krishnan, faut monter. Ah, tu es là depuis l'entrée, il fait des trucs là. Krishnan, faut monter. Oh. Ah. Saloni, faut pas. On sait jamais, peut-être c'est blanc, son modèle guéri. Faut rester ici. Bon. Boudin, non, boudin. Tiens, toi, tu es la femme. Viens, rapproche-toi du monde. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de lui, là. Donc, on a reproduit un film de Bollywood. Atili. Regarde. Dans un film de truc là, Saloni. Attends, regardez bien. On mettait toujours la pub. On va remettre la pub. Regardez bien, ne faites rien d'abord. Pub. Maintenant, ils ont changé la pub, la passion, on dit que les deux oiseaux, là, quelqu'un a lancé l'aspirateur pour les manger. Donc, quand ils finissent ça maintenant, tu entends pub là. C'était sponsorisé par les tomates pâtes. Alissa, ma chérie, tu vas où? Hé, hey, ma coco, je m'en vais au marché. Pour faire quoi? Je m'en vais acheter tomates pâtes. Alissa, non? Oui, mais comment tu... Oui, comment tu as su? Sorcière, briseuse de foyer. Ton mot dit au carré. Bon, on revient. Donc, du coup, toi, tu es Saloni. Et puis, il y a un petit point ici, là. Donc, Saloni, moi, j'aime me retourner. Je suis comme ça. Tu sais, eux, ils ont les films, vraiment. Le suspense, c'est beaucoup. Donc, je suis comme ça. Tu me regardes, hein? Donc, toi, tu es là, tu es apeuré. Il ne faut pas rire. Et puis, tu es là. On va en ralenti. On fait tout en ralenti. Parce que eux, leurs films, là, c'est toujours en ralenti. Donc, je suis là comme ça. Et puis, tu cries. Hina. Hein, beaucoup d'amour. Na. Krishnan Benana. Bon, écran, tu vas mettre sous-titres. OK? Donc, quand tu fais ça là, maintenant, toi, Krishnan, tu es en train de courir, tu viens doucement, faut pas t'approcher de moi. Hein.
tu viens doucement. Regarde, Pishnan, attends. Attends. Regarde. L'idée, c'est que tu restes et que tu sois comme ça. 20 secondes avant de mettre le pied. C'est ce qui fait que les films n'attuent. Donc, je suis là. On va mettre la musique tout à l'heure. Quand on met la musique, toi, tu ne bouges pas. Parce que Saloni, le temps même va aller chercher quelqu'un là. Tout le monde est arrivé. Hé, hey, lâche-moi. Tu fais ça. Faut faire. Paye, fais. Ton gars n'est pas ici. Oh. Fais. Faut pas sourire. Oh. Faut pleurer. Il n'y a pas tant, les gens doivent rentrer à la maison. Il y en a même, on va fermer leur portail. Fais vite. Arrête, bloquez-vous. Bloque-toi, comme ça. Maintenant, le plus drôle dans les films de Bollywood, c'est qu'à ce moment-là, non, il y a une voix off qui vient. Ce programme vous a été offert par les tomates par Alissa. Vendredi prochain, tu penses que non, ils vont évoluer dans le script. Mais c'est maintenant là même que le suspense va commencer. Ils sont toujours sur la même séquence, la musique revient encore. Même chose. Il faut te calmer. Oh. Calme-toi, mets-toi là-bas d'abord. Attends. Un petit amusement, toi, t'es venu là-bas. Tu n'as pas papier mouchoir là-bas. Hein? Attends. Vous savez, papier mouchoir dans les films de Nollywood, là, c'est important. C'est pas pour danser. Non, tu attrapes. Ça dit, le gars, ça va être des choses bizarres que lui, il arrive à tuer quelqu'un. Ça dit ça là, s'il a lancé, le vent va transporter ça, ça va venir, ça va attacher mon cou. Et puis moi-même, je vais me tourner et puis aller mourir. Mais tu n'as pas fait ça. Tu enlèves et puis tu veux me tuer avec ça, c'est la dernière scène. Donc on l'a fait, hein. Il n'y a pas d'argent pour cette production-là. Maintenant, pour le vrai suspense, vendredi qui est arrivé là, une semaine après, ils sont toujours sur la même scène. Donc, les suspens dans les films hindous, à chaque fois qu'elle voulait me retourner pour regarder, Christian, ziou, ziou, vous faites ça. Attendez. Attendez, oh. Faut dire Christian. Merci, applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Pour Christian et puis Saloni. Hein? Christian et puis Saloni, ils ont percé. Hein? Saloni, on a fait 5 ans. Mais ma mère, elle a vu, je fais la télé, je fais la radio, je fais Internet, je fais tout à la maison. Tout le monde se déplace, les voisins, les tontons, les tantes, tout le monde pour venir me regarder, regarder la télé, la radio, moi. Et quand elle a vu ça, elle a dit, tu vas pas rester là à faire que ça seulement. Je vois tes talents. Il faut que je te mette dans la chorale. C'est votre maman ou bien c'est ma maman? C'est dans ça, maman, elle m'a prise et elle me met dans la chorale. La chorale des saints des derniers temps. Je suis arrivé, j'étais content de découvrir cette chorale-là. Mais grande fut ma surprise. Je fus ébahi quand j'eus vu et j'eus constaté que le maître de chœur, il était « Habababababa ». Et mon maître de chœur, quand il vient comme ça, et puis toi tu es comme ça, et puis toi toujours c'est toi qui veux chanter « Agnus Dei ». Quand tu entends « Agnus » là, si quelqu'un n'entend pas bien, il n'a pas une bonne diction, tu vas entendre autre chose. Le lendemain, il est encore là. Donc ici, là, vous allez faire. Faites ça bien, André, manger des garba. On reprend. Fort. Ici, vous allez faire nus, 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 nus. Je ne vous attends pas. Père!